Congo belge, Stanleyville, 1954. Commémoration de la mort de l'explorateur Henry Morton Stanley. Ça a été la grande fête de Stan cette année-là. Et voilà la messe solennelle qui avait été célébrée dans le stade par l'archevêque de Stan. Voilà les chœurs avec le père qui dirige. Vous voyez, tous les enfants des écoles avaient revêtu leur uniforme. Ils étaient très nombreux parce qu'à Stanleyville, il y avait des écoles et une population scolaire absolument incroyable. La cérémonie au monument de Stanley, voilà la troupe qui est rassemblée pour rendre les honneurs au gouverneur de la province, M. Scheller, et au commissaire de district, M. Soubry, qui vont déposer une gerbe devant la statue de Stanley, devant le buste. C'était une excellente occasion de montrer qu'on n'était pas resté inactif et qu'il y avait quand même quelque chose qui avait été réalisé. Il faut bien se dire, Stanleyville, bon, les gens qui étaient là, Stan, les Européens qui étaient là, ils pouvaient se dire, il y a 50 ans d'ici, il y a 60 ans d'ici, il y avait 3-4 paillotes. Et nous, c'est peut-être un petit peu orgueilleux de dire ça, on a fait une ville. Il y a un port, il y a des grues, il y a des routes, il y a des usines, il y a un chemin de fer, tout tourne, tout le monde est ravitaillé, la population gagne sa vie, il y a eu une activité énorme, on sent que ça bouge. Et je crois que c'est ça qui était le plus exaltant, c'était de sentir qu'on faisait bouger les choses, qu'on partait de rien, et qu'on faisait un pays, enfin. Chronique congolaise. De l'État indépendant du Congo au Congo belge. Des films, des photos de particuliers, des correspondances familiales, des témoignages nous racontent à leur manière ce que fut le vécu d'un nouveau monde. Ce morceau d'Afrique centrale pour la Belgique ne représente qu'une tache blanche sur la carte, les connaissances géographiques sont extrêmement réduites, et même, je dirais que au moment où Stanley traverse, eh bien, on a encore du trajet du fleuve Congo et de son bassin, une idée totalement approximative. Alors, ce que réalise Stanley, c'est d'une part résoudre le problème du Congo, qui n'était pas résolu, puisque à l'époque, on remontait à peu près, si nous prenons la carte qui est ici, on remontait jusqu'aux environs de Nyangwe qui est ici, et on s'imaginait que le Congo allait aller tout droit peut-être vers la mer, puisqu'on connaissait son embouchure depuis très longtemps, n'est-ce pas ? Parce qu'il dit Congo sur la mer. Alors, ce que Stanley va faire, c'est précisément remplacer cette droite imaginaire par l'immense arc de cercle du bassin conventionnel et par là même donner sa forme au pays. Il est évident que l'attention du roi est retenue. Et c'est très simple, Stanley fait son voyage, Stanley arrive à Boma, la fameuse petite missive, n'est-ce pas, à quelques gentlemen habitant Mboma, je suis là et j'arrive. Il reprend un bateau, il repart pour Marseille, et quand il débarque à Marseille, il y a deux envoyés de Léopold II qui attendent de ce journaliste américain célèbre pour l'amener chez le roi. C'est comme ça que l'Afrique centrale entre dans le paysage belge. Des noms de rue évoquent des missions belges envoyées au XIXe siècle en Afrique centrale. Léopold II l'avait dit, il faut à la Belgique une colonie. Cette conviction sera le moteur d'une patiente et longue démarche diplomatique dont les axes principaux sont l'Association internationale africaine, l'Association internationale du Congo, la Conférence géographique internationale de Bruxelles. Mais avant de s'intéresser à l'Afrique, c'est aux quatre coins du monde que la Belgique chercha une colonie. Parmi de nombreux documents inédits, de grande valeur, sauvés par des particuliers, voici un rapport adressé au roi Léopold II sur l'exploration du Rio Grande, Mindanao, Philippines.
Le document que voici provient de la légation de Belgique à Constantinople. Il est daté du 28 août 1876 et il apprend au roi le refus du gouvernement turc, à l'époque on l'appelait la Sublime Porte Ottomane, vis-à-vis d'une demande de concession pour des îles telles que la Crète, Rhodes, concession qui devait durer 90 ans. Ces documents, à la mort du roi Léopold II, étaient destinés à être détruits, tout simplement. Heureusement, ils ne le furent pas, puisque vous les voyez là, et ils ont été entreposés dans un lieu humide, je suppose une cave, pendant trois quarts de siècle, avant de refaire surface et de se trouver sur un marché public, où d'un ballot de vieux papier sortait une feuille sur laquelle on pouvait lire « Sire ». Une abondante correspondance internationale datée de 1885 révèle l'intense activité qui entoura l'organisation de la conférence de Berlin, convoquée par le chancelier Bismarck. La conférence de Berlin est fondamentale parce que c'est celle qui va permettre à Léopold II de devenir le souverain d'un État reconnu par les puissances. Le roi a évidemment un tout petit problème. Il y a dans la Constitution un article 62 qui dit qu'il ne peut pas avoir deux couronnes sans l'autorisation des chambres et encore avec une majorité spéciale. Je crois que ça prend deux jours pour qu'il l'obtienne dans chacune des assemblées. Bien, je crois que quelqu'un a dit que c'était par courtoisie ou par amabilité. Ça n'intéresse personne, n'est-ce pas? C'est le plaisir du roi qui peut avoir une deuxième couronne. 1er mai 1885, le Conseil des ministres autorise le roi à exercer sa souveraineté sur l'État fondé en Afrique par l'Association internationale du Congo. Les historiens se sont déjà penchés sur des masses de documents, mais ceux-ci ont le mérite d'être parfaitement inédits et inconnus, puisque, comme je l'ai dit tantôt, depuis la mort du roi, pendant 75 ans, ils ont été soustraits à toute investigation et à toute étude. Conrad de Guide habitait Hatt et il a quitté cette ville pour l'aventure, pour aller au Congo. Il est parti donc vers 1885. Je sais peu de choses, donc les raisons pour lesquelles il est parti, je ne les connais pas, le goût de l'aventure sans doute. L'époque était très dangereuse parce que dans les anecdotes très rares que j'ai, un de ses amis a été dévoré par les cannibales. Enfin, moi, je tiens beaucoup à ces photos parce que bon, elles évoquent justement ce côté d'aventure. D'ailleurs, j'aime bien celle-ci. Regarde, ce sont des aventuriers parce qu'on a toujours un peu une image avec le casque colonial, mais ça évoque presque le western. Je trouve là le grand homme ici. Le risque, l'aventure, le western. Il en faudra du courage ou de l'inconscience pour entreprendre le fantastique voyage vers l'inconnu. Accompagnons ces pionniers dans leur découverte d'un monde fascinant dont ils n'ont pour la plupart aucune idée. C'était qui voulait bien partir, c'était qui se présentait et qui les choisissait. Ben, les collaborateurs immédiats de Léopold II venaient ceux qui voulaient se présenter. Il y avait d'ailleurs là-dedans autant d'étrangers que de Belges. Et vous serez frappé par la quantité de Scandinaves, d'Italiens, d'Allemands, d'Autrichiens. Certains d'ailleurs deviendront Belges suite à leur service à l'État indépendant. Il y a une catégorie probablement qui est un peu à part, c'est la catégorie des officiers de l'armée belge. Et là, il y a, je dirais, un rapport de personnes, n'est-ce pas? Vous savez que les officiers prêtent serment au roi. Et si le roi vous dit, vous marchez, bien, on marche, n'est-ce pas? Et quand on demande des volontaires, ils se présentent. À la fin du 19e siècle, Eugène Broé quitte Anvers pour l'Afrique. Soigneusement conservé par la famille, sa correspondance constitue aujourd'hui un témoignage irremplaçable. Mer calme, léger roulis, aucun incident. Pour passer le temps, chacun s'occupe à sa façon. Moi, je m'amuse à contempler la mer, à visiter le bateau de fond en comble, à assister aux manœuvres des marins, enfin à me fatiguer le plus possible.
cette vie de passager devient de plus en plus ennuyeuse. On a trop bonne vie. On ne fait que boire, manger et dormir. Aussi, j'aspire ardemment à notre débarquement à Boma. Vers le soir, la mer devient houleuse. D'énormes vagues se jettent contre le bateau et passent par-dessus bord. Les couloirs sont transformés en ruisseaux. À 9h du soir, nous traversons l'équateur. Rien vu, rien senti. On procède aujourd'hui au baptême de l'équateur. Toute personne traversant l'équateur pour la première fois est arrosée de la plus belle façon. Vous passez sur le pont et au moment où vous vous y attendez le moins, un matelot vous lance un seau d'eau dans la nuque. Ceci, répété 2 ou 3 fois, achève la cérémonie. Dès mon lever, je monte sur le pont. Immédiatement, je m'aperçois que nous sommes dans le Congo. C'est un très beau fleuve dans lequel coule une eau d'une teinte rouge et d'un goût saumâtre. Les rives sont magnifiques. Vers 3 heures, nous apercevons quelques habitations de Boma. À 4 heures, 16 heures, nous débarquons dans la capitale de l'État indépendant du Congo. Beaucoup d'Européens sont sur le quai. Je ne vois que des figures étrangères. Me voilà un peu désappointé. Quand vous abordez l'estuaire du Congo, l'immensité de cet estuaire avec les eaux limoneuses qu'il charrie, avec les berges couvertes d'une végétation démentielle, d'une densité, d'une hauteur qu'on ne soupçonne pas, végétation dans laquelle il n'y a que des arbres inconnus, à part les palmiers, ce sont tous des arbres que vous ne connaissez pas. Les petits villages qu'on voit sur les berges et les négrillons nus qui courent vers le bateau en agitant les bras, on a l'impression là qu'on arrive non seulement dans un pays inconnu, mais dans un monde nouveau. C'est vraiment saisissant les modifications d'aspect de la végétation, d'aspect de la rivière, et aussi les modifications de température, de lumière, la réverbération intense, une humidité qu'on croit presque percevoir. C'est tout à fait déroutant. Déroutant aussi ces cow-boys africains montant des taureaux. Il est vrai que le climat ne favorise pas l'utilisation des chevaux. À Boma, la première ville du Congo, la vie s'organise. Les Européens vivent entre eux, les indigènes, dans la cité. Pour garder le moral, on tente de maintenir les habitudes de la métropole. Les dames conservent leurs chapeaux à plumes et leurs corsets. Le climat, la solitude, la malaria hantent les pionniers. Quelquefois, un noir m'accoste. Je le regarde dans le blanc des yeux quelques instants, puis je lui tourne le dos d'un air indifférent et presque dédaigneux. C'est un bon pli à prendre dès que vous êtes avec ces hommes, car on doit bien se figurer ceci. C'est que nous venons en maître, et si vous commencez à frayer, à être familier avec ces gens, votre prestige sera vite dissipé. Il ne s'agit pas pour cela de les frapper ni de les brutaliser, non. Il s'agit simplement de les tenir en respect, et par là de ne pas les laisser franchir en aucun point la fameuse barrière. Le 10 avril, nous sommes partis de Boma en steamer. Nous sommes arrivés à Matadi dans l'après-midi. Le 12, nous avons traversé le fleuve en baleinière et nous avons abordé à Chiango. Il y a un magasin où les porteurs ont déposé les marchandises. Dès qu'il s'éloigne des centres importants, le pionnier effectue une sorte de remontée dans le temps. Avec des moyens de fortune, il part affronter un monde dans lequel il ne pourra souvent compter que sur lui-même. Il y aura des gens des villes et des gens de la brousse. Mais en Afrique, c'est sur ses actes qu'on juge un homme, pas sur ses origines. Le 14, en route pour Isangila. Les porteurs sont recrutés par les chefs des villages. L'État les rétribue pour cela. Les hommes sont placés sous les ordres d'un nègre plus intelligent qui a grade de capitaine. Celui-ci est responsable des hommes et des marchandises.
Ils portent les colis sur la tête. Ainsi, mes coffres en fer étaient portés chacun par un nègre. Les routes ne sont pas fort belles. C'est loin des routes pavées et bordées d'arbres. Le sentier est petit et tortueux. De hautes herbes vous coupent figure et mains, sans compter les petites montagnes et les bois. Nous avons mis 31 jours pour faire le trajet Boma-Léopoldville, soit un peu plus de 250 km à vol d'oiseau. Qu'on devient un homme en Afrique. Vous n'avez pas, à 5 minutes de chez vous, un menuisier pour vous faire une porte, un boulanger où vous pouvez vous procurer du pain, un maçon pour faire une maison, un charpentier pour vous faire une charpente. En un mot, vous devez savoir ou apprendre par vous-même tous les métiers. Vous ne sauriez croire combien cette vie me plaît. Ce n'est pas que vous deviez faire tous ces travaux, non, mais il faut montrer à vos travailleurs la façon de s'y prendre pour faire telle ou telle chose. L'État indépendant du Congo a besoin d'argent. Il faut pour ça lever des emprunts. Et celui-ci est un emprunt de Barry auprès des banques allemandes. Et dans ce rapport, nous voyons que le Congo peut rapporter de l'ivoire, de l'huile de palme, des arachides, du ricin, du copal, du coton. En échange aux indigènes, on peut procurer du sel, de la poudre, du tissu, du rhum, de la pierre, des perles, des bimbloteries, des verroteries, des bijoux de pacotille, etc. Vous voyez que l'échange est quand même fructueux. Quant aux affaires, elles vont bien. La source de l'ivoire n'est pas inépuisable. Suite aux instructions du gouvernement, j'ai entrepris la récolte du caoutchouc. En 15 jours, j'ai pu faire une tonne de ce produit. C'est déjà joli, mais je compte faire mieux dans quelques temps. Il y a beaucoup de caoutchouc ici. Certains jours, j'en achète 60, 80 kilos. Le 12 mai, j'en ai acheté le plus, 156 kilos. Et ça, par morceaux gros comme mon poing. Ces derniers temps, il y a eu du relâchement dans l'achat du caoutchouc. Ce n'était pas de ma faute, ni de celle des indigènes. En voici le motif. Au mois d'octobre, mes chers noirs font leur provision de sel. Pendant qu'ils faisaient ce condiment, ils ne pouvaient pas faire du caoutchouc. De là, ce relâchement. Les noirs sont très friands du sel européen. Je leur ai demandé si en échange de sel, ils m'apporteraient du caoutchouc. Leur réponse a été affirmative. Immédiatement, j'ai fait une demande urgente de sel européen au gouvernement. Savez-vous que la partie de territoire dont j'exploite l'ivoire et le caoutchouc appartient personnellement au roi. Je suis chef d'un poste du domaine privé de Sa Majesté, hein? Qu'en pensez-vous? L'agent est seul, est isolé, n'est pas contrôlé. Les circonstances de vie sont pas commodes. Faire travailler les Africains, et je m'empresse de dire que je ne veux pas dire ça avec en disant qu'ils sont paresseux, mais simplement, on vient les arracher à leur système en leur disant maintenant vous allez planter du caoutchouc et faire du caoutchouc. Mais n'importe quel d'entre nous qui on dirait demain qui doit se mettre à planter du wheatloaf, n'est-ce pas, du matin au soir, parce que ça fait la grandeur, je ne sais pas de quel souverain à 7000 km de là, ne serait pas nécessairement enthousiaste. Bien, alors la combinaison de tout cela mais fait que pour ceux qui ayant ce pouvoir, étant seuls, etc., la tentation est grande sous la pression d'aller trop loin. Aller trop loin, par souci de révéler la vie primitive en exhibant des indigènes à l'exposition d'Anvers de 1894. Ou trop loin, par souci de civiliser comme ces deux noirs endimanchés suivant une certaine mode européenne. L'Européen est convaincu que le respect de la justice fait partie de son œuvre civilisatrice. Mais comment punir la faute quand certains affirment qu'en Afrique, la prison tue et que seul, le fouet corrige? La chicotte restera longtemps un sujet de discussion.
Mais la chicotte, c'était un air d'hippopotame. On était puni pour un vol, des blessures, toutes sortes de choses comme ça. Les Noirs, on les déshabillait, leur enlevait leurs culottes, et on devait les frapper. Seulement, dès la première goutte de sang, ils devaient arrêter. Et les Noirs avaient trouvé un truc pour ça. C'est-à-dire qu'ils s'asseyaient pendant toute la nuit dans un bassin plein d'huile. Et leur peau était tellement fragile qu'au premier coup, ils avaient du sang qui sortait. Et comme ça, ils évitaient d'avoir trop de coups de chicotte. C'était parfois bien mérité, hein, ces coups de chicotte, il faut le dire. D'ailleurs, c'était une punition des nègres eux-mêmes. Les Noirs utilisaient la chicotte pour punir leurs propres hommes, dans leur propre tribu, et même les enfants. Qui donnait la chicotte? La chicotte était donnée généralement par un soldat noir en général, mais d'une autre tribu. Les mains coupées sont une vérité. Pourquoi les mains coupées? Pourquoi les mains coupées? Probablement, enfin, vous savez, c'est toujours très difficile à dire. D'abord, première remarque, ce sont des accidents. Ce n'est pas quelque chose de général. Pourquoi? Probablement une faiblesse dans le recrutement du personnel. On n'avait quand même pas tellement de gens, on n'était pas toujours tellement regardants. Commerce odieux ou pratique islamique, habilement exploité par les grandes puissances de l'époque, le scandale des mains coupées jeta le doute sur l'entreprise coloniale belge tout entière, avant même qu'une enquête soit ouverte. La bigamie existe sur une grande échelle. Pour n'en citer qu'un exemple, je vous dirai que le chef du village n'a que 5 femmes. Il peut les conserver. Ici, je crois que j'aurai du mal à attraper le goût du mariage parce que je déteste les femmes noires. Les noirs, je les estime assez, mais les femmes noires me dégoûtent horriblement. Aussi, quand je surveille les travaux, car les femmes travaillent ici, je vous assure que je suis sur leurs talons. Elles n'ont pas le temps de faire aller leurs clapettes. Elles m'ont déjà donné un petit nom en Swahili, qui veut dire « le blanc qui ne rit pas ». Moi, j'en ris. Que ma reine se rassure, les femmes noires ne me plaisent pas, elles me répugnent. De nombreux célibataires supportent mal la solitude et prennent une concubine indigène qu'on baptise « ménagère ». De ces unions naîtront parfois des enfants. Bien peu auront, comme cette petite fille, la chance de connaître une éducation européenne. Pour l'Européen, l'univers africain est rempli de provocations. N'oublions pas qu'à l'époque, sur nos plages, la vue de la cheville d'une dame provoquait l'émoi. Les noirs fascinent le blanc. Ces photographies artistiques parlent d'elles-mêmes. La beauté sauvage des hommes et des femmes attire et trouble plus d'un colon. Sur ces plaques photographiques, on saisit des silhouettes dans des poses qui ne sont pas typiquement africaines. Mais on veille à mettre en garde l'homme blanc pour qu'il ne succombe pas aux mœurs primitives des indigènes. Des institutions comme le mariage sont là pour lui rappeler certains devoirs. Sous les tropiques, l'union légitime apparaît comme un frein salutaire aux tentations. On présente la famille comme le meilleur gardien de la moralité. Marié, le colonial réalise un idéal complet, car en fondant un foyer, il crée une cellule civilisatrice et montre le bon exemple. L'œuvre des missions, dans le développement de l'État indépendant et surtout encore après de la colonie du Congo belge, a été déterminant en ce sens qu'on leur a confié probablement ce que j'évoquais tantôt dans l'acte de Berlin, la mission d'amélioration du bien-être que l'on va englober sous un adjectif facile, l'action civilisatrice. Et le point essentiel, ça va être l'enseignement. Mais c'est pas seulement l'enseignement, il ne faut pas oublier que toute mission qui se trouve en Afrique est un peu comme une abbaye chez nous au Moyen-Âge, et que l'abbaye chez nous au Moyen-Âge, c'est pas seulement un centre d'enseignement ou un centre culturel, c'est un centre médical, c'est un centre agricole, il y a des ateliers, il y a, n'est-ce pas, tout un foyer
d'implantation du mode de vie européen qui est absolument fondamental. Et là, je crois que l'infrastructure est autant missionnaire qu'administrative. Je dirais qu'au départ, elle est vraiment plus missionnaire qu'administrative. La vie en brousse au contact des Noirs nuance peu à peu les a priori des Européens. Après quelques années d'activité, la correspondance d'Eugène Broé témoigne d'importantes découvertes humaines. Tâchez de faire disparaître toutes vos inquiétudes sur mon sort. Vous me savez en bonne santé, soyez tous rassurés. Je crois que je suis mille fois plus tranquille que vous, Européens. Ici, pas de bombes, pas d'accident de chemin de fer, pas de coup de pied de cheval, pas de chute de pierre, etc. Les indigènes sont très pacifiques. S'il y a eu des assassinats, c'était bien un peu de la faute des assassinés. Et puis, ce n'est pas dans ces régions. Il faut y être pour se figurer ce que c'est que les indigènes. Quand on parvient à les connaître et à s'attirer leur sympathie, on est tout surpris de voir certaines coutumes qui sont, j'ai honte de le dire, plus sensées que certaines coutumes d'Europe. J'espère bien que ceci dissipera complètement vos inquiétudes, car à la fin, je deviens inquiet de vous savoir si inquiet. Les indigènes savent très bien que s'ils bougeaient d'une patte, la force publique congolaise aurait bien vite fait de les massacrer. D'ailleurs, ils n'ont aucun motif pour se fâcher. Ils ne sont pas si bêtes, ni si sauvages que vous pourriez le croire. Ils savent et comprennent parfaitement bien l'immense avantage qu'il y a pour eux d'avoir les Blancs dans leur pays. Ces photos datent de la fin du 19e siècle. Quelques notes les accompagnent. Armement pris aux révoltés, groupement d'anciens soldats révoltés après leur soumission, soldats après un an de campagne, camp des soldats de l'État à Bilolo. Les propriétaires de ces documents ignorent quels événements ils évoquent. Privés de témoignages, ces photos seront bientôt tout à fait illisibles. Il ne faut pas perdre de vue que jusqu'en 1995, le Congo est encore très loin d'équilibrer ses comptes. Il faudra arriver au tournant du siècle pour qu'on commence à penser que peut-être les dépenses seront payées par les recettes. Alors, elles croissent et on a intérêt à ce qu'elles croissent et donc on pousse sur l'argent. À ce personnel, on disait, il faut produire. Si nous regardons un instant la carte, la distance qui va de Kinshasa à Matadi doit faire à peu près 300 km. Ça veut dire que c'est la petite portion de l'embouchure du fleuve qui représenterait la surface de la Belgique. Et vous voyez derrière, n'est-ce pas, le Zaïre. Par conséquent, on commençait par là, on partait, Boma, première capitale, mais on n'avait pas idée de ce